Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour jouer à Micro Machine V3 sur PlayStation avec un menu, ma foi, plutôt sympa. Un menu. Oh, je suis en train de tout faire tomber, c'est magnifique. Un menu assez coloré, hein, écoutez. On avait joué à Micro Machine sur une vidéo qu'on avait fait en multi avec M6 Korn sur la Super Nintendo. C'est un jeu qui se joue à plusieurs, c'est sympa parce qu'on peut jouer, je crois, 3-4 en même temps. Si vous avez un multi-tap, j'aurais dû faire start parce qu'on va avoir la démo. Avec un écran de chargement qui est plutôt sympa parce qu'il vous met carrément le nombre de secondes restant. Mais bon, la seconde elle est un petit peu longue, la dernière. Hein. Allez, mode démo, chargement, veuillez patienter. J'aimerais pouvoir passer la démo directement. Que l'on puisse se lancer dans le jeu. On va appuyer sur start. Donc le but de ce jeu, c'est ce jeu de course, hein, de manière très classique. La particularité de ce jeu, c'est qu'on est souvent dans des décors comme c'est des micro-machines, c'est des petites voitures, voilà. Et du coup, on est dans des décors un petit peu, comme par exemple sur une table, autour d'une piscine, dans un jardin. C'est pas exactement pareil qu'un jeu de course classique. Alors, on a quelques menus, vous pouvez voir ici, on a l'école de conduite, le mode un joueur, multijoueur, équipe, jeu en groupe. On va regarder les stats, je pense qu'on n'aura rien. Alors, essai de route, dossier de joueur, stats contre la montre, stats essai de route. C'est assez, je trouve les graphismes super mignons, hein, franchement. On est sur Playa, mais je sais pas, ça fait clean quoi. Il y a un côté ultra bien pensé. Stats course contre la montre, dossier de joueur. On va voir un petit peu le dossier de joueur. Alors, on peut changer de la carte mémoire, j'ai aucune sauvegarde donc on va pas le faire. Et on a. Qu'est-ce qu'on a essayé de route? Mais je pense qu'on a rien du tout. On va revenir en arrière. Ce qui est marrant, c'est qu'elle va carrément en marche arrière, hein, elle fait pas de demi-tour. Alors, ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est une école de conduite, histoire d'apprendre un petit peu les rudiments du jeu qui, je pense, ne sont pas très compliqués. Alors, sélectionner une manette. Apprendre celle-là, évidemment. Puisque je suis tout seul. Alors, les bases, les obstacles conduites vers le bas de l'écran. Alors, on va faire les bases, parce que je pense qu'on peut pas faire les autres menus tant qu'on n'a pas réussi le tout premier. Salut, je m'appelle Cerise. Bienvenue à mon école de conduite. Maintenant, on va s'amuser. Mais rappelle-toi que si tu veux quitter le programme, appuie simplement sur Start sur le contrôleur, d'accord? Alors, c'est parti. Ça, c'est ta voiture. Et n'aie pas peur, tu ne peux pas l'abîmer. On essaie de tourner sur place? Appuie à droite ou à gauche sur le contrôleur. Bon, maintenant, on bouge. Appuie sur la touche X du contrôleur. Ouais, on est parti! Hein que c'était facile? Si tu veux les freins, appuie sur la touche carré. C'est ça. Si tu le gardes appuyé, tu enclenches la marche arrière. Ça y est, on recule! Les voitures peuvent faire un petit bond en appuyant sur le triangle. Oh oh oh! Et si on faisait un petit tour avant de passer à la leçon suivante? Appuie sur Start quand tu es prêt à démarrer. Alors, on va faire Start pour la leçon suivante. C'est pas mal, hein, voix en français. Voix plutôt sympa. C'est très clair dans les explications. On passe à la suite. Bon, évidemment, vous en doutez, c'est un jeu plutôt pour les enfants, hein. C'est pas un jeu pour. Même si, franchement, c'est super, super drôle en multi. Il te suffit de suivre le parcours entre les plots. Vas-y doucement. Excellent. Ah oui. Ah, très bien. Tu vois que c'était pas si dur? 9 secondes 36. Bon, important, il faut le passer le permis Gran Turismo. Hein. Allez, conduite vers le bas de l'écran. Bon, alors là, les choses se corsent un petit peu. On va faire la même chose,
Mais cette fois, on va descendre l'écran, d'accord? Certains... Oh oui. Très bien. Mais maintenant, essaye de ne heurter que quelques plots. C'est marrant parce que le jeu nous laisse aller jusqu'au bout. On se dit, bon bah nickel. Mais en fait, non, il faut quand même qu'on fasse ça sans toucher les plots. Waouh! Super! C'était parfait. Maintenant, on va passer à encore plus dur. Alors moi, je vous le dis concrètement, j'adore. J'adore comment c'est présenté. La voix est super. Franchement, c'est nickel. Ah, j'ai limite envie, je vais vous le dire, bon c'est exagéré complètement, mais ça donne envie limite de repasser sur le code de la route, quoi. Alors que c'est le truc le plus chiant du monde. Mais franchement, c'est super bien expliqué. Après, en plus, ce qu'il demande à faire, c'est pas très compliqué non plus, hein, mais je sais pas, il y a un côté clair dans ce jeu, j'adore. Franchement, j'adore. Bon, dans ce cours, on va mélanger les deux dernières leçons. C'est-à-dire que tu vas devoir monter et descendre l'écran. Tu vas commencer tranquillos, mais j'aimerais bien voir des tours super rapides. Ah ! Fais gaffe. Oh, oh, oh ! Bon d'accord, j'avoue, je suis allé un peu vite. Oh, oh, oh ! Oh là là. C'est énorme. C'est énorme, franchement c'est génial. Bon, je pense qu'elle va pas être contente. Si tu t'entraînes assez, je te promets que tu vas y arriver. Attention! Alors, on va... Oula. Effectivement, il faut aller doucement. Attention! Ouais, c'est très directif, hein. Si ça continue, on va y passer la nuit. Allez, on recommence. Et ben voilà. Continue. Tu crois que tu peux le faire plus vite? Alors plus vite, je pense pas, hein, concrètement. Splendide. Attention! Ouais, alors plus vite, je pense que ça va être très compliqué. Oui, bien! Continue! Joli! Tu tiens le bon bout. On va essayer plus dur maintenant. Eh ben, je vous dis franchement, j'étais incapable de commenter la situation parce que franchement, c'est pas évident. C'est pas évident, la voiture est ultra directive, si on tourne un peu trop, elle commence à déraper, donc on perd beaucoup de temps. Là, c'était vraiment pas facile. Bon, puisque tu parais dominer la situation, si on essayait d'augmenter la vitesse. Ce circuit a une forme de 8, et on va se le négocier en débordant un peu dans les virages. À partir de maintenant, on va se faire pas mal de dérapages, alors autant que tu t'entraînes dès maintenant. Continue d'accélérer dans les virages, et garde bien la voiture, le nez dans la direction où tu veux aller. Allez, on s'arrache. Et... Ah mince, elle a continué à parler, bon. Plus vite, plus vite! Oh mon dieu. Bon là, ça, on n'y est pas du tout, vous l'aurez compris. Mais tu sais que tu es bon, toi. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu une aussi bonne conduite. Alors ce qui est marrant, c'est que le bruit est dérapage.
C'est exactement celui de Touka. Toi, tu sais de quoi tu causes maintenant. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu une aussi bonne conduite. Ah, je suis encore foiré. Chaque fois, je tourne trop tard. Excellent. Continue. Tu es maintenant un pilote de micro-machine qualifié. Magnifique, c'est tout ce que je voulais entendre. Alors elle dit un pilote, hein, elle dit pas une pilote, donc c'est une fille qui joue, bon bah je suis désolé pour elle, mais malheureusement, eh ben, elle aura pas le droit à son genre. Bon, ben voilà, donc on a fini l'école de pilotage, on va pouvoir passer à la suite. Et je me rends compte que la vidéo elle est en 60 fps, ce qui n'était pas prévu à la base, mais bon, c'est pas grave. Alors, bretelles contourées, options de jeu, les options de jeu quand même. École de conduite, ah oui voilà, donc on va faire... On peut revenir en arrière. Bon bah écoutez, on va faire un joueur. Hein. Alors, on a la présentation des personnages. Si vous vous souvenez de la version Super Nintendo, on a un peu les mêmes concrètement. Hi there. Hi there. C'est marrant parce que les personnages me font penser un tout petit peu à Little Big Adventure. Hello. 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 Bon, qui c'est qu'on va prendre? Oh putain, il y a vraiment une tête déjantée. On va prendre Athènes, abandon Athènes. Bah oui, c'était totalement raciste ce que je viens de faire, désolé. Alors, on va entrer un nouveau nom. Non. Comment on fait pour venir en arrière? Ah oui, ça c'est bon. On va faire OK. Non, tant pis, ça ne l'aura pas. Donc la voiture a changé de couleur. Et là, donc, on a tous les modes de jeu. On a un mode face à face, mode challenge. Challenge contre la montre, course 5 contre la montre. Et j'ai l'impression qu'il y a d'autres trucs encore à côté, que l'on n'a pas accès pour le moment. Alors on va essayer un petit face-à-face. Débutant, moyen, difficile. On va faire un débutant, histoire de comprendre un peu à quoi on a droit. Allez, c'est parti. Alors, on a... chargement, d'accord. Donc on sera avec une sorte de fin des années 50-60. Et on va jouer contre... Jade. Come on, let's race. Alors le but là, ça va être de finir devant... devant l'IA. Donc en fait, il faut que je me retrouve devant le bord de l'écran avant lui. Alors soit je finis premier de la course et je gagne. Voilà, j'ai eu un petit bonus. Donc en gros, quand je suis... quand il y a un des deux qui se retrouve distancé de plus de la grosseur de l'écran, comme là par exemple, hop, voilà. Je perds ou je gagne un point si c'est moi qui suis devant ou derrière. Hop, un petit bonus. Du coup, regardez le nombre de points, on est à 4 contre 3. Voilà, c'est très facile. Puisque au bout des 3 tours, c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Ou si avant les 3 tours, il y en a un qui a plus de points du tout. Donc là, par exemple, bon, j'ai pas mis tous les points, mais j'ai fini devant lui en termes de points quand même. Eh bien, on va continuer, on va faire les 3 autres duels. Alors là, on va jouer avec des tanks. Et j'ai l'impression que c'est un circuit qui se trouve dans une maison encore. Et on va être contre Spider.
Ah oui, il va super vite lui. Il faut que je comprenne le tracé. Alors ce qui est pas évident, vous l'aurez compris, c'est que devant nous on voit pas trop ce qui se passe, donc c'est compliqué d'anticiper. Alors on est sur une table de... d'éléments périodiques. Ou pour le dépasser ça va être difficile. Je suis à fond hein, pour l'instant. Je sais même pas comment je vais faire pour pouvoir le dépasser concrètement. Parce qu'il a une trajectoire super bien optimisée. Je suis en train de revenir un peu sur lui, il reste 2 tours à faire. Je vais essayer de couper légèrement. Ah, il reste qu'un tour, ça va être trop juste, ça va être trop juste, va-t-il y arriver? On coupe à l'intérieur. Ah, c'est des playoffs là. C'est des playoffs. Pourquoi j'ai mis en mi-playoff? J'en sais rien. Ah, j'ai encore trop d'écart, et je vais me louper. Non! Oh, quel dommage! Ah, j'avais coupé, je me suis pris la flaque d'eau. Du coup, là, j'ai pas réussi. Alors, est-ce que je vais recommencer ou est-ce que je vais me retrouver à faire une autre tentative? Il me reste 3 vies. Bon, on va la retenter, c'est pas grave. On va retenter la deuxième manche. Bon, maintenant que je connais le circuit, ça devrait être plus facile. Et encore une fois, il est parti beaucoup plus vite que moi. J'ai tellement envie de gruger, juste pour voir ce que ça va donner. Ah, on n'a pas le droit de gruger en fait. Concentration maximale, hein, je vous le dis là, je ne peux même pas commenter ce que je fais. Et on sent qu'il essaie de gagner du temps. Oh, il a gagné, bah oui, il a gagné tout simplement. Pourquoi? Bah parce que il m'a mis un point de plus. Et que j'ai jamais réussi à le distancer. Bon. Alors, on va tenter une fois encore, sinon on va changer de mode de jeu. On est déjà à 19 minutes. Ça va super vite. Allez, je voudrais montrer un maximum de choses. Parce que c'est un jeu qui est pas mal... Bah, il y a pas mal de modes de jeu, il y a pas mal de types de véhicules. Enfin, c'est vraiment, vraiment complet. Et je me suis foiré dès le début. Je suis encore plus loin que tout à l'heure. Là, on va pas chercher à couper, on va juste essayer de garder la trajectoire la plus optimale. Oui, il faut légèrement en couper au fur et à mesure pour gagner un peu de temps. Alors, autant qu'une maniabilité hors pair. Ils me disent quasiment pas. Allez, je suis passé devant. Il est en train de remonter. Allez, c'est les payoffs, faut pas se louper. Il est côte à côte.
J'ai l'impression qu'il y a un léger boost pour le player 2. Mais vraiment léger. On n'en finira jamais en fait. Comment je suis censé le battre? Ah bah il a gagné. Ah mais oui, j'aurais dû tenter de le pousser. Mais oui, mais c'est totalement débile en fait. Bon bah écoutez, c'est pas grave. Bon, on aura tout perdu dans la manche 2. Mais oui, il aurait fallu que je lui coupe la route, que je le foute dehors. Bon bah là j'ai game over, donc c'est pas grave, on pourra avoir un... pour avoir un autre... notre mode de jeu. Alors... bon, on va faire plonger à nouveau. On va revenir dans le mode un joueur. Bon, on va garder le même, hein. Voilà, en fermant. Et on va aller faire un mode... un mode challenge, challenge contre la montre. On va faire un mode... pourquoi pas mode challenge, on va voir ce que c'est. Allez, challenge débutant. Ça me fait un petit peu penser aussi au jeu Shoroku. Même si Shoroku, bon, c'était vraiment... c'était pas en vue de dessus. Mais dans l'univers, cette voiture. Alors on va tester ça, on va voir ce que ça donne. Et ben là, on va être... tout le monde est prêt, on va être 5. C'est en mode facile, donc logiquement, j'aurais pas trop à avoir de mal. Alors là, c'est une course, hein, toute bête, il suffit de gagner. Il n'y a pas une histoire de mettre les autres en dehors de l'écran ou pas. Bon, il suffit de comprendre le circuit. Alors si vous avez beaucoup joué à Generali, vous devez avoir pas trop de difficultés avec ce jeu. Là par exemple j'y arrive plutôt pas mal. C'est vrai que c'est pas évident quand on a jamais fait une course vue de dessus, surtout quand les contrôles sont un petit peu inversés. C'est vraiment une habitude à prendre. Bon bah là on a gagné. C'était quand même assez simple. On va voir à la prochaine course si c'est la même que tout à l'heure avec les tanks. Là par contre on va galérer. Incredible. Oh regardez, j'ai gagné une Beetle. Ça c'est cool, on a une nouvelle voiture, magnifique. Allez, on va passer à la suite. Donc ben voilà, effectivement, ça va être le tank à nouveau. Alors le tank, je sais pas comment on va faire. Je pense qu'en termes de vitesse, on peut y arriver, parce que j'ai réussi tout à l'heure. Mais par contre, en termes de... ben non, on n'aura pas besoin en fait de foutre l'autre en dehors de l'écran, donc c'est bon. Par contre, c'est au départ. Voilà, j'ai eu pas mal de mal à m'élancer. Très mauvais départ. Oh regardez le... ah ouais d'accord, on peut se tirer dessus. On peut se tirer dessus avec rond. Oh la vache. Oh c'est juste énorme. Et regarde, j'ai pas la manque de vue. Hein. Alors j'ai déposé, je sais pas ce que c'est. J'ai l'impression d'avoir déposé des mines. Ah voilà, donc pour pouvoir tirer c'est L1. Ah oui, alors par contre faut que je fasse gaffe. Ça me retombe pas dessus. Comme là par exemple. Alors vous voyez, c'est quand même assez pute d'une certaine manière parce que tout à l'heure on avait le tracé dans un angle de vue et là on a un angle de vue qui est encore différent. Alors je vais voir si je peux le rattraper, il reste plus qu'un tour. Oh ça a marché. Mon piège a fonctionné. Mon piège a fonctionné. Bah du coup je vais gagner, incroyable. Ça c'est génial, hein, pouvoir se tirer dessus avec les tanks. Si j'avais su, en fait, j'aurais tiré dessus sur le premier tout à l'heure, dès le début. Hein. Donc c'est bien R2 hein, pour utiliser l'item. Et avec carré, je pouvais utiliser une mine. Qui m'a bien sauvé.
Il m'a débloqué bah, une plus card niveau 2. Ok. Et on va pouvoir passer à la troisième manche enfin. Allez, chargement de la partie. On va faire start. Alors je ne connais pas le tracé, donc là ça va être un peu plus complexe. Oh, il y a pas mal de... c'est ce que je pensais. Du coup je repars super loin. Oh là là, que c'est... ouf, oh, cet angle de vue. Mon dieu, cet angle de vue. Oh, c'est pas simple. Alors là vraiment là, oh, ce niveau de zoom en plus. Alors je les entends, au niveau du son, on est en train de les rattraper. Ah, je peux pas avancer? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah voilà, j'ai fini 5ème, mais... du coup, faut que je recommence, c'est pas grave, on va retenter maintenant que je sais à peu près où il faut aller. Maintenant que je connais le tracé, ça va être un peu plus simple. J'ai fait un très mauvais départ et j'ai même failli me sortir dès le début. Oh là là, alors là je sais que ça tourne à droite, oui, enfin si on veut. Oh là là, attention, et ouais, j'ai pris le mauvais cheese. Et voilà, qui c'est qui s'est loupé. Je suis en train de le faire encore pire que tout à l'heure. Hein. Alors ça aurait été avec les tanks, ça aurait été facile, mais alors avec celle-là, faut quand même plutôt s'accrocher. Ah bah là on a encore loupé. Ce fut rapide. Alors je me demande s'il n'y a pas une course à l'élimination dans le sens où quand on finit le dernier tour 5ème, on reste 5ème quoi qu'il arrive. Bon bah là du coup ça va vite être terminé, perdre une vie. Il ne reste plus qu'une vie. On n'a pas le droit à l'erreur. Ça va être compliqué. Et voilà, j'ai loupé le checkpoint, donc du coup, on est dernier. Ah, c'est pas vrai! Fait que me prendre tous les trucs. Ah bah je gagnerai absolument pas, ça c'est une évidence. Bon j'étais plus proche mais j'étais complètement à la rue. Je sais pas comment c'est possible de gagner. Bon bah du coup on a game over. Donc on va pouvoir tenter un autre mode de jeu. Et donc on a game over. Oh, que c'est dommage. Donc on va pas faire le challenge.
On va faire. On va tester un autre mode de jeu. Même si je crois qu'il n'y a pas d'autre mode de jeu en fait, concrètement. Il y a un mode en équipe, il y a un mode en solo, il y a un mode multijoueur, vous en doutez. On va voir ce qu'on peut faire d'autre. Alors j'ai hâte de voir la bretelle qu'on tourne, ce que c'est. Hein. Alors qu'est-ce que la bretelle qu'on tourne? Ah, pour recommencer le challenge au même niveau, d'accord. Ah, par contre, le problème, c'est que ça, c'est le circuit qu'on a déjà fait tout à l'heure. Donc, ça va pas être très compliqué. Ouais, donc là, en fait, on est en train de refaire. Ah, regardez, je peux agripper une voiture. Je sais pas à quoi ça sert, mais bon. Non, on va faire quitter. Puisque vous l'aurez compris, ça on l'a déjà fait. On va essayer de voir s'il n'y a pas d'autre mode de jeu. Donc le contour challenge, ça permet de refaire les trucs directement que l'on a loupé. Donc on va faire option de jeu. Et on va donc voir en un joueur, joueur en groupe, stat. Alors ce que j'aimerais savoir moi, on va faire start. C'est est-ce qu'on peut faire d'autres modes de jeu? Parce que j'ai l'impression qu'il y a deux modes de jeu qui sont pas visibles, que l'on peut faire qu'ensuite. Ah, enfin vraiment c'est en arrière qu'il faut aller. Multijoueur, voilà c'est ça. On peut aller jusqu'à 5. Faire ok. Hello. Ah d'accord, non. Alors en fait on va pas faire ça, on va faire multijoueur, ok. C'est parti. On va faire que... deux joueurs, ouais, pourquoi pas. Hello. Un de deux, on va faire non. Par exemple on va prendre... Ah ben voilà, il faut deux joueurs pour faire un mode multi. Donc en fait on pourra pas jouer. Ah c'est dommage, je pensais qu'on pourrait faire un, par exemple un championnat, ce genre de choses. Mais en fait non. Non, on était obligé de... Ben, on était obligé de se les coltiner tout seul. Alors challenge contre la montre, conseil contre la montre. Bon on va tenter ça, écoutez, en dernier. Un. Et nous sommes partis. Vous voyez, il y a d'autres modes de jeu hein, qu'on peut faire en bas. Alors, c'est sympa, c'est qu'on peut changer un peu le tracé. On a un truc de buggy, on a un skin... Ah ouais, on a que ça en fait. Donc on va prendre par exemple Destruction Dirt Box. Et on peut changer le type de véhicule. Oh, on a Crash and Ferm, ça a l'air pas mal ça. Alors attends, on va tenter celui-là. Et on va voir ce que ça donne. Comme je vous dis, on a pas mal de véhicules différents. Donc on peut être sur l'eau, on peut avoir dans le désert, sur un circuit classique. Et on va tenter bah, directement celui-là. Bon, il n'y a pas de temps. Donc si je comprends bien, ça va juste être à nous de faire un temps et de l'améliorer. Donc là on est dans l'eau. Oh là là, bon sang. Ok. Ok, donc le tracé... Alors on est dans un lac, c'est un petit... Ouais, un petit lac, ouais. On va essayer de faire un temps. Oula, faut que j'aille où. C'est pas évident. Allez. Bon, il y a un petit peu d'inertie. Mais l'inertie est quand même plutôt légère. Donc j'ai fait 28 secondes 34 et je pense que le but bah, ça va être faire mieux que l'autre, etc.
Donc là, il est tout content. J'aurais jamais fait une course sur ce tracé, moi. Et j'ai gagné un camion de chantier. Ok. On va faire une autre course. On va voir s'il y a d'autres modes. Et puis sinon, bah tant pis, on s'arrêtera là-dessus. Peut-être que je ferai une vidéo en mode multi avec quelqu'un. Ça peut être cool, hein, à deux. Alors, on va faire option 2 à nouveau. On va regarder ce qu'on a quand même d'autres. Multijoueur, équipe, jeu en groupe. Alors, jeu en groupe, quand même. J'adore ce que c'est, ça. Compétition. Ah, alors attendez, on a une compétition. On a un keep size, je sais pas ce que c'est. Eh ouais, mais on est obligé de jouer à deux à chaque fois. Ah, c'est dommage. Contre la montre, on a compétition. Là, j'imagine qu'il faut jouer à deux à nouveau. Alors, on va faire 4, mais je pense que ça va être le même problème. Ouais, donc en fait, c'est encore un jeu multijoueur. Ouais, c'est vraiment un jeu fait pour joueurs multi. Hein, là, par contre, on va revenir en arrière. Ouais, donc en un joueur, on a que ça. On va prendre Jethro, tiens. Rideman. No. Et on va faire continuer. Bon, mais je pense que je vais tout montrer. Challenge contre la montre. Course contre la montre. On va tenter le challenge contre la montre quand même. J'ai envie de voir si c'est intéressant ou pas. Allez, débutant. Je pense que là, la différence, c'est qu'on va devoir battre un temps. Donc ça va être un peu plus intéressant. Mais ouais, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas faire de championnat en solo contre, par exemple, je sais pas, 4, 5 ou 6 bots, et puis faire un championnat avec carrément, aller faire 55 secondes avec un système de points après chaque course, ça pourrait être sympa. Alors 55 secondes à faire. Allez, 55 secondes sur ce tracé. Ah, mais c'est en 3 tours. Ça, je pense que ça va être faisable. En tout cas, sur celui-là. On va voir si c'est très dur ou si c'est quand même assez permissif. Alors, ce qui est dommage pour vous, c'est qu'on voit tout le temps le même tracé. Ça aurait été plus intéressant de voir autre chose. Bon voilà, on a fait 38 secondes 90, je pense. Ça passe largement. Et on a gagné donc un Monster Truck. J'aurais dû essayer mode moyen, parce que mode moyen on aurait eu d'autres trucs. Alors on va faire avec le tank. Une 11. Ça me semble largement faisable. En revanche, le troisième tracé, je pense, va être très compliqué. J'ai même pas réussi. Oh, très bon départ. Partir avec un départ comme ça, déjà, c'est l'assurance d'avoir gagné au moins une bonne seconde et demie, deux secondes. Allez, je connais le circuit, il devrait pas y avoir d'erreur normalement. Là oui, je suis à fond, hein. Je lâche pas l'accélérateur. Bon, sinon, que dire de plus de ce jeu? Bah, vous aurez compris le concept, hein, de toute façon. C'est vraiment fun en multi, hein. Tout seul, c'est pas ce qui est le plus drôle. Le jeu est plutôt bien fait, les graphismes sont vraiment bons pour de la Play 1. Après, je vous avouerai qu'il n'y a pas grand chose à afficher en même temps parce qu'on est en vue de haut. Mais quand même, les décors sont cohérents, il y a pas mal de détails. Même si effectivement il y a un effet pixelisé qui est dû au fait que bah, voilà, le jeu tourne pas en 1080 ou 720p évidemment. Hein, il tourne en 360 et encore c'est même pas 360, je crois que c'est 540. Voilà, on a réussi.
On n'a pas beaucoup de marge, hein. On est 6 secondes à peu près. 6-7 secondes. Mais on est passé. On va essayer le troisième quand même. Le troisième, je pense que je vais galérer, mais... On a débloqué une Jeep. On passe au troisième. J'allais vous montrer le quatrième circuit. Histoire qu'on se quitte sur une bonne... Ah bah regardez, c'est celui où on a fourré tout à l'heure. Oui, c'est la même chose en fait. Ok, 59 secondes. 3 tours. Bon, ça devrait être faisable si on se plante pas. Mais si on se plante, c'est fini. Alors déjà... Bon après j'ai fait un tour en 20 secondes 90. C'est-à-dire si je foire pas le prochain tour, ça devrait passer. Bon il me l'a accepté mais j'ai eu du bol hein. Allez 17 secondes pour ce tour là. Non ! Le temps perdu est énorme. Est-ce que nous allons pouvoir réussir? Ah bah je me suis pris le fromage. On a foiré. C'est dommage. Pour 62 centièmes. Voilà, je pense que le prochain tour j'y arrive. Pas de chance. Let's try again. Bon, on va retenter. Là, je pense qu'on va... va enfin l'avoir. Je veux vous montrer le dernier circuit. Ah, il y a un fantôme, ça c'est pas mal. Ouais, déjà le fait de passer de planter, on gagne pas mal de temps. Pff, le lait qui glisse. Alors je freine pas vraiment, hein, je ne fais qu'appuyer sur le... Je vais relâcher l'accélérateur pour le moment. Oh, ça va être imperfect. 48 secondes. Ah ben voilà, on va pouvoir passer à la suite. On a débloqué, un camion bizarre encore de chantier. Et on va tenter le dernier circuit. Alors là c'est avec un engin de chantier justement et on est sur Vindaloo Drive-Thru. 1 minute 40. Alors je sais pas ce que ça va donner, j'ai l'impression que ça va être assez long parce qu'à mon avis il doit être super lent le véhicule. Alors vous avez vu il y a un super départ hein, que l'on peut prendre. Oh mon dieu. Qui c'est qui a dessiné avec des petits pois carottes le tracé sur la nappe hein. Faut vraiment tenir ses enfants, ses gosses quand même. Ah, il s'est tombé dans le vide. Allez, c'est pas grave, on va accélérer. Oh non. regardez où il me remet quoi, sur la piste. Il me remet pile l'endroit il faut pas. Alors on entend les gens dans le restaurant. Bon j'arrive pas à me faire avoir 10 fois d'affilée. Mais là je pense que la première tentative va être assez mauvaise. Ah ce rebord de... Ce rebord de... Comment ça s'appelle ? De serviette là, il est horrible.
crois que c'est le truc le plus compliqué du circuit, c'est ça. Attends, il faut que je fasse une 40 là. Oh bah on en est loin. Ah ouais, on est super loin. Non, mais c'est fini. Regardez le temps d'écart qu'il y a. Oh, il y a 6 secondes à aller gagner. Bon, on va le tenter une dernière fois. Et je pense qu'on se quittera là-dessus. Donc c'est un fail, hein, vous l'aurez compris. On va faire encore un dernier essai. Il me reste 2 vies. Enfin, une seule en fait. Allez. On se motive. Par contre, le 1.40, il va être compliqué à tenir. Hein. Let's race them cars. Bon, en gros, pour faire simple, si je me loupe une seule fois, c'est fini. Il faut gagner 6 secondes. Allez, concentration au maximum. On a failli sortir. Et bah c'est passé. Oh la vache. Ah, jusqu'à la bouche, franchement j'y croyais pas. Hein. Je me suis dit à la fin ça date juste d'une seconde ou deux. Et bah on a réussi. Et bah c'était censé être le mode débutant. Je peux vous dire que c'est pas facile du tout. Alors est-ce qu'on a gagné quelque chose? Et bah on a gagné ça mais en niveau 2. Bon bah voilà. Hein. Ouais, on a réussi le mode débutant. Bah c'est cool, on va finir sur une petite victoire. Donc là, on va faire le mode moyen. Bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus. C'était donc Micro Machine V3 sur PlayStation. Mais écoute, si vous avez des amis, que vous avez plusieurs manettes, que vous avez une PlayStation, je vous le conseille, franchement, c'est vraiment, vraiment cool, c'est vraiment drôle. Enfin, moi, j'ai fait avec des potes et tout, même sur la version Super Nintendo. C'est génial, c'est vraiment un gros coup de fun, quoi. Après, en mode solo, bon, bah ouais, c'est un petit peu moins intéressant. Par contre, c'est assez hardcore, faut vraiment, vraiment être bon. Le jeu laisse pas trop libre la... Enfin, il y a la moindre erreur en fait est quasiment fatale, vous l'aurez compris. En plus, on était qu'en mode débutant. J'ai bien aimé, vous l'avez compris, la partie entraînement là, qui est assez cool, bien expliquée, en plus en français, enfin voilà, que demander de plus. Voilà, donc petits et grands, franchement, ce jeu, je le recommande, il est vraiment cool. Pas le meilleur jeu du monde, mais en tout cas, bien sympa. Je vous dis donc à la prochaine, ciao tout le monde!